Et les gens seront très surpris de savoir que parmi les Etones, il y a des clans Bamileke, hein, avec des noms presque identiques. Il y a un clan, par exemple, dans la zone de Monatile qu'on appelle les Mbura. Mbura, en réalité, c'est un hameau des Mbuda qui s'est détaché pour venir se domicilier, pour se sédentariser dans le département de la Lekki. On peut prendre des exemples comme cela dans ce qu'on appelle le Grand Sawa. Le Grand Sawa qui va... Allons-y, parce que ça paraît intéressant. Oui, le Grand Sawa qui s'étend pratiquement sur 5 régions, le littoral. Il est évident que dans le littoral, il n'y a que les Sawa. Dans le sud-ouest, vous avez Idabato, Mundemba, vous avez la zone de Manfé. Ça, c'est le sud-ouest. L'ouest, vous avez Sanchu, Kekem et surtout Banganté. Parce que l'ancêtre éponyme, l'ancêtre fondateur des Banganté s'appelle Kembedi. Kembedi est effectivement Sawa. Donc, les Banganté ont un sang de Sawa qui coule dans leurs veines. On part dans le sud, on prend les fonds de Zoétélé. Oui, vous verrez que leur ancêtre éponyme s'appelait Fongo. Lui-même qui a été qui a eu pour descendant Pongo Songo. Pongo Songo qui est l'ancêtre éponyme des Pongo qui sont dans la zone de Dibombare. Donc vous voyez, on a déjà le sud, le centre, on a l'ouest. On peut prendre également des exemples dans la dynastie Tika. Lorsqu'on vous parle des Tika, par exemple, oui. les Tika forment une diaspora, c'est-à-dire au sens de dispersion, qui s'étend pratiquement dans 4 régions. On a la Damawa, Bankim, on a l'ouest du Cameroun, pratiquement une bonne partie des chefferies des Grassfields de l'ouest. On a le nord-ouest et on a le centre. Illustration. La femme qui fonde le peuple Tika est Mboum. Elle s'appelle Wouten. Mboum, les Mboum de la Damawa. Il se détache donc de ce hameau pour venir se domicilier à Bankim. Et à Bankim, il y aura également un hameau qui va se détacher, qui sera conduit par Mbé. Mbé était l'aîné, il avait deux frères, il avait un frère et une sœur. Le frère s'appelait Charéen et la sœur s'appelait Ngonso. Mbé viendra donc créer les chefferies Tinka de la région du centre, de l'actuelle région du centre. Mm. Charéen, lui, il va remonter pour créer la chefferie Tinka de Fumban. Et Ngonso va remonter vers le nord-ouest pour créer la chefferie Tinka du nord-ouest. Là, vous parlez bien du Cameroun et des Camerounais. Nous parlons du Cameroun et c'est des choses qui sont documentées, archivées, qui peuvent se vérifier. On peut prendre... dans le septentrion, dans le prolongement de ce que Alaouad disait tout à l'heure.